Hola, muy buenos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro directo más. Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura llamada A Plague Tale Innocence, o como cojones se pronuncia esto, el cual pues vamos a jugar en su modo campaña. ¿Okay? Vamos a jugar en su modo campaña, no voy a poner la cámara con este juego. Y lo dicho, vamos a ver qué tal está. Esto es un juego que no está... Las voces están en italiano, francés y... No me acuerdo el otro cuál es, pero no está en español. Cosa que no me ha gustado, pero bueno. Vamos allá. De rata, de un niño rata. El legado de Rune. El legado de Rune. Capítulo 1. Vamos a ir por capítulos. Reino de Francia. Très, Mamicia. Ce n'est pas comme ça que tu suivras les hommes à la chasse. C'est la seule ambition que vous ayez pour moi? Suivre les hommes? Moi, je les battrai à la course et ils mangeront ma poussière. Mais pour ça, il me faudrait un bon cheval. Depuis le temps que tu insistes pour faire cette balade. Mais pourquoi ici? Pour l'arbre. Quel arbre? Le pommier, père. Je veux passer de nouveau l'épreuve d'adoubement. L'épreuve de... Mais tu n'as plus 10 ans, tu sais. Oh, je vous en prie, père. Je me suis entraîné dur pour ça. Bon, très bien. Allons-y. Vale, va a 30 FPS este juego, 39, bueno, va. Visualmente el juego está de puta madre. Regardez, Lyon. Le fauve de Guyane est pressé d'en découdre. Ah, ton fauve pense avec son estomac, comme d'habitude. Un peu comme vous, en somme. Tu es dur. Estamos jugando al Ultra, yo estoy jugando al Ultra con los 1060 bajos. Vas-y, mon chien, tu vas trouver une croix. Je crois en toi. Ah, ne rêve pas trop. Allez, avançons. Qué colorido el bosque. Tiens, le bandeau de ta mère est encore là. C'est ici que je lui ai fait la cour, tu sais. Oui, père, je sais. Si seulement elle pouvait venir avec nous. Chacun ses obligations, Amicia. Tu sais, dans une famille... Hé, j'essaie de parler. Quelle autorité, chevalier de Rune. Allez, vas-y. Et rapporte quelque chose, pour une fois. Bien. Je disais, chacun ses obligations. Je dois m'occuper de ses terres... Ta mère doit soigner ton frère. Et moi, je ne vous vois plus. Et mère encore moins. Écoute, c'est pour toi que nous sommes ici. Alors, suis-moi, ma fille. Quoi? Hé! Tu as ta fronde, j'espère. Bien sûr. Allez. Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve? Amicia de Rune n'a peur de rien. Ce pommier a été planté à ta naissance. Il prouvera ta valeur. Chevalier, quels sont les termes de l'épreuve? Les pommes sacrées de l'arbre
sacrés ont été corrompus par un grand mal. Je compte jusqu'à 10. Si tu détruis 6 de ces pommes pourries avant la fin, je te ferai chevaleresse. Je relève le défi. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prête. Prête. Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien. Reviens. Place-toi derrière ce tronc. Tu tireras d'ici. À vos ordres. Alors, c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allez, ma fille. Six, sept, huit. Et c'est ainsi qu'Amicia devient chevaleresse. Neuf. Et voilà. Dix. Eh bien, je suis impressionné. Mais ta fronde fait un bruit de tous les diables. C'est vous qui me l'avez offerte, vous vous souvenez? Ah oui, j'avais oublié. Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Il a dû flairer un lapin. Venez, vite! Par devant, je te rejoins. Je n'ai plus les jambes de mes 20 ans. Chigalé. R.T. Lion! Attends-moi! Lion! Un chien de chasse n'est pas censé semer son maître. Lion! Mais où il est? Tu es là. Qu'est-ce que tu as senti? Oh là là, un sanglier! Bravo, mon chien. Amicia, il a trouvé quelque chose? Chut! Venez voir, un sanglier! C'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. J'ai encore ma fronde avec moi. Ça pourrait marcher, mais tu dois t'approcher de lui. Ces herbes te cacheront si tu restes baissé. Il boit. C'est le moment. Il m'a vu. Trouve un angle de tir plus discret. Tu dois toucher sa tête. Doucement, c'est sa tête que tu dois viser. Je fais de mon mieux. Je veux ce festin. Je sais, ma fille. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Te voilà. Utilise les hautes herbes. Reste baissé. Est-ce que la fin te rend toujours aussi précise? On dirait que le destin n'a pas dit son dernier mot. Non. Allez, Lion, ne te lâche pas. Je vous le promets, ce soir nous dînerons comme des rois. Ça, je n'en doute aucunement. Ne le lâche pas, Lion.
J'arrive, Lion. Retiens-le et tu auras un beau morceau rien que pour toi. Oh non, je vais m'enfoncer là-dedans. Il n'aboie plus. Il a dû le trouver. Des choses toutes neuves. Je vais en entendre parler. Mosca. Les arbres. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Lion! Reviens! On l'a caïdo. Mais... c'est le sanglier? Pourquoi il est... Lion n'a pas pu faire ça. Las ratas, claro. ¡Lion! Los niños ratas comiendo un jabalí. ¡Lion! ¡Je suis là! ¡J'arrive! Je vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... en train de s'occuper d'Hugo. Oui, je sais. Amicia. C'était un bon chien. T'en es où des rivets pour renforcer la porte? Pas pu les faire encore. T'es au courant que les troupes anglaises arrivent? Bonjour, mademoiselle Amicia. Va falloir patienter pour le nouveau rivet. Au fait, des nouvelles du bourg? Les gens sont nerveux. Il y en a qui ont été mordus dans la nuit. Un coup des Anglais, ça. Mais pourquoi les Anglais mordraient des gens? Ben, je sais pas, moi, pour nous taper le moral. Le jeu no está mal, hombre. Graficamente, los he visto mejores. La verdad. Los gestos de los personajes igual, hay juegos muy buenos. Oh, mademoiselle Amicia, déjà de retour? Théo, il y a une urgence. Réunis les autres et allez voir mon père dès que vous pouvez, c'est très pressé. D'accord. Au fait, j'ai installé les cibles derrière les tables pour vous entraîner à la fronde. Oh, bien, merci. Pero como he dicho antes, el que no esté traducido al español, al castellano, pierde, para mi gusto pierde mucho el juego. Más... en la época que estamos, que normalmente lo suelen traducir el 80% de los juegos. Esto es un juego para que lo hubiesen traducido porque tiene que tener muy buena historia y tienes que estar leyendo y te pierdes a veces mirando el paisaje y mirando cosas de lo que es el juego. Pues te pierdes, te pierdes el diálogo. T'étais là, toi. Je t'ai cherché partout. Te pierdes diálogos que... puede ser que sean fundamentales también para el transcurso de la historia. Pero bueno, no nos vamos a quejar. Lo tenemos por la face, el juego, y ya está, no hay más.
Les peaux dont Théo m'a parlé. J'ai encore ma fronde. Las piedrecitas. Caca de vaca. Puto pollo. Mira, menudo. Menudo cerdo. Me cago en la vieja. Tiene mala matanza, Máquina, Menudo jamoncito. O sea, que sacan de las patas esas. Madre mía. Menudo jamoncito. Chorizo y unas buenas morcillas. Mademoiselle Amicia, avez-vous pu... Plus tard, Flore. Dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. Oui, je leur dirai. Como pela la gallina. Antiguamente se hacía así también, Yo... Allez, ahora si os sentís, Sebastiani, préservez-nous du mal. He visto a mi abuela y a mi madre de pelar gallinas antiguamente, así, quitarle las plumas. Para cocinarla. Estoy hablando de hace 20 años o 20. 25 años o así, más o menos. Prenez soin de Lyon, je vous en prie. Il mérite sa place à vos côtés. Même s'il faisait parfois des bêtises. Dieu, mon chien. Bueno, ya le hemos dado el pésame al perro. J'espère que Mère n'est pas trop occupée. Se ralentiza el juego porque da muchos cambios de FPS, Les gens crèvent de faim. On a de la chance d'être dans cette maison. T'es pas d'accord? Pato, la boca. T'as bien raison. Pato Luca, Un gancho, es un gancho. Ah, Gabrielle, Mère est encore à l'étage? Oui, elle y a passé la nuit. Le petit a encore fait une crise. Elle risque de pas être de bonne humeur. Chepa la tía, ¿no? La sensación. Tu as entendu ce qui s'est passé au village? Tu sais, les gens qui ont été mordus, il y a des enfants aussi, t'imagines? À chaque fois, c'est arrivé la nuit. La famine, les Anglais à nos portes, et maintenant des vampires. Oh, nous avons beaucoup péché pour être ainsi punis. Oh, mademoiselle Amicia, bonjour. Je ne vous avais pas vue. Oui, bonjour mademoiselle. Bonjour. Bonjour. El fuego siempre. El efecto del fuego siempre bajando el FPS. Una mayoría de los juegos. El fuego, el humo, las partículas esas. Me la subimos para arriba, a ver, creo que se cuece ahí. L'odeur de tes plats me réchauffe le cœur. Oh, ce n'est pas grand-chose, mais je pense que vous allez aimer. J'en suis certaine, oui. Il y a quelque chose ? De la cannelle. Spécial. J'avais presque oublié ce que ça sentait. Ils ont bien fait de la cacher. Père serait capable d'en mettre dans tous ses plats. Vale, no me entero de nada, pero bueno. Lo que he dicho, que te pierdes diálogos. Fallo muy gordo, no va a haber traducido este juego. Un
muchas bajadas de FPS, tío, de 60, 50, 45. Bueno, el fuego, oui, macho. Louise, tu viens de voir ma mère? Tout juste. Vous voulez la voir? C'est important. C'est un ordre de père. Oh, dans ce cas, je dois finir votre chambre. Au fait, j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit. Venez voir si vous voulez. Ah, merci. C'est le napperon que mère avait fait pour moi quand j'étais toute petite. Je l'ai cherché partout. Merci, Louise. Oh, de rien, ma douce. Faites-y attention. Oh, Léon, qu'est-ce que je vais faire ici sans toi? Mère? Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais quelque chose a attaqué Léon dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai! Léon était là, par terre, et puis il a été... Chut! Tu vas rester ici avec ton frère. Ferme la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Oui, mère. Toutes ces potions. Mère, est-ce que vous le guérirez un jour? Maman, c'est toi? Ça fait combien de temps qu'il est ici? 4 ans? Viens 5 voir. Ans? Où est-il? Hugo? C'est moi, ta sœur, Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez, avance! Il a parlé. Non, Seigneur Nicolas. Il a tué deux de nos hommes.
Où est-il? Pour la dernière fois, où est votre fils? En de bonnes mains. Fouillez la cœur. C'est maman? Je sais que t'es là, gamin. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Où est-ce qu'ils l'ont planqué? Maintenant, vite. Où est maman? Chut. Où est-ce que tu... Reste baissé. Hugo, c'est moi, Gabriel. Viens vite. Hé, toi, viens voir un peu ici. Allons-y. Il est où, le gamin, hein? Laissez-le en paix. Ferme-la. Il appartient à l'Inquisition. Mais ce n'est qu'un enfant! Vous avez perdu... Oh, Gabriel! Voilà. Amicia! Chut! Mais l'enfant, c'était pourtant simple! Oh non! Léa! De grâce, je... Ça t'apprendra! Non! Je vous en supplie! Ouais, mais... Hugo n'est pas là! Et toi, reste ici! Il va! Alors dis-moi, où est Hugo de Rune? Pourquoi vient à pas le cuir? Amicia, qu'est-ce qui se passe? Maman, il faut trouver maman. Elle saura quoi faire. Oh mon Dieu, Louise! Hé, hey, toi, ça t'amuse de me faire courir, hein? Vous! Pitié! Ça sert à rien de supplier. Veuille pas trop. Avancez. Ne regarde pas. Ben, nous servons à pied au dessin. Allez, fais voir un peu si tu caches pas des choses. Des travaux de ta maîtresse. Même si je le savais, je dirais rien. Ta maîtresse est une bonne âme. Oh, reste encore des pièces à fouiller. Lo dicho, cuando pasan estas cosas, empiezan a hablar los soldados y cosas así, pues te pierdes esos diálogos. No puedes pararte a... Vous allez comme ça. Bon. Mes enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. Ce médaillon. Hugo, prends la main de ta sœur. Je vais passer devant. Vous me suivez. D'accord? Il faut qu'on traverse le jardin. Amicia, prends ton frère par la main et suivez-moi. Allons-y. Oui, oui. Faites attention aux issues. Ils sont partout. Faites-moi confiance. On va passer par l'herbe. Ils ne nous verront pas. Attendez. Maman. Chut. Hey,
nôtre. C'est qui? Jardinier. Il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Je lui en apportais souvent. Fleurs? Non. Il va falloir faire mieux que ça. On a réussi. Chut. Laissez-vous. J'ai toujours travaillé ici. Ils sont comme ma famille. Je dirais rien. Allez en enfer. Ah ouais. Après toi. Je te laisse réfléchir. Maintenant. Et toi, crève pas sans m'avoir parlé. Vous êtes des lâches. Des pourritures. Oh, ça c'est pas gentil. Il faut passer. Amicia, aide ton frère. Seigneur. Je vais te porter. D'accord. Hein? L'attention des enfants. Oui. L'inquisition. Alors que notre but est noble. Gamin, les deux ou trois gueules qui se tapent comme ça. Je reviens. Ne fais pas de bruit, d'accord? Je t'attends. Attention, il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à tout, tu peux venir. Oui. Sois sage et attends-moi là, d'accord? Non, Amicia, ta fronde va nous faire repérer. Oui, c'est vrai. Laisse tomber. ¿Cuál es? ¿El botón LB? Hacen nada, Okay. Si le pego en el casco. D'où ça venait? Tiens, mais qui voilà? Sí, en el casco, lo he probado. A ver por qué no se movía el soldado tirando las piedras. Bouge pas y reste sage. Je reviens. D'accord. Je reste là. Attention, il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive. Quizás tenga que tirarle ahí. Ta fronde fait trop de. C'est bon, Hugo. Tout de suite. Las piedras, ahí en las hojalatas esas. Je reviens. Ne fais pas de bruit, d'accord? Je t'attends. Bien, on y va. C'est bon, Hugo. Viens là, d'accord? Ah, ma tête. Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il a? C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. Faut que je me calme. Alors, le garçon? Il se cache. Mais le seigneur Nicolas se sent mal. Il n'est pas le bras armé du grand inquisiteur pour rien. On n'a jamais eu meilleur capitaine. Bien. Au moins, il a eu le père. Et d'ici peu, il aura le fils. Mère, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Je t'expliquerai. D'abord, sortons d'ici. Sois sage et attends-moi là. Je bouge pas. J'ai entendu un truc. Tu peux venir? Oui. Reviens vivant. On a besoin de toi ici. On peut pas y aller, mère. Peut-être que si tu lançais un de ces pots.
Vous croyez ? Oui, le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos, d'accord ? Allez, je vous connais, vous, les pauvres. Toujours un sou caché quelque part. Non, Amicia, ta fronde va nous faire repérer. Oui, j'aurais c'est vrai. J'aurais pu être bourreau. Il y a toujours du travail et tu restes au chaud. Reste ici. Et pas un bruit surtout, d'accord? Vale, quand tengo que yo agarrado, no. Ce bruit. Faut que j'aille voir ce que c'était. Allez. Oh non, non, non. Tu calmes. Tiens bien ma main. Oh, verrouillé de l'autre côté. Mère, il y a un trou dans le mur. Oui. Hugo, je suis désolée. Je sais que tu as peur, mais en passant par là, tu pourrais nous ouvrir la porte. Tu es le seul à pouvoir le faire. Y a quoi derrière ? Occupe-toi seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux. Chaque jour me le prouve. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite, d'accord ? D'accord. Allez, mon grand. Bravo ! Il y a des gens. Prends ma main. Pitié ! Non, attends. Ah ! Et demandez grâce ! Ne fais pas courir plus vite, mon ami ! Allez, venez. Bougez, non ? Suivez-moi. Je reviens. Mais fais pas de bruit, d'accord? Sois sage et attends-moi là. Je bouge pas. Suis-moi, sans faire de bruit. J'arrive. Ma tête. Maman. Qu'est-ce qui lui arrive? Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix, Hugo, tu sais comment il faut faire. Mes yeux, ma tête. Écoute-moi, respire. Pense aux petits nuages que tu avales, que tu souffles, dedans, dehors. Comme ça, doucement. Oh, mère, on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu de temps. Ça va aller, Hugo. Je crois, oui. Alors, on continue. Courage, mon grand. Thank you.
J'ai pas le droit à l'erreur. Mère et Hugo, toi, va avoir le temps de passer. C'était quoi ? Je dois les prévenir maintenant. Venez, on arrive. Allez, allez, vite. Bravo. Attendez mon signal, d'accord ? Fais très attention. C'est bon, Hugo. Je m'entraînais au tir dessus. Mais il se rapprochera de nous. Oui, mais on attendra qu'il reparte. D'accord, je m'en occupe. Attendez mon signal, d'accord ? Fais très attention. Quoi ce bordel ? Va-t'en, allez ! Hé, ça recommence. Attends voir. Tu peux venir ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Le problème sera bon. Non. C'est bon, Hugo. Viens là. D'accord. Hein ? Encore ? C'est pas... Hé ! Vous n'avez pas le jour se lever, Thomas ! On va pouvoir sortir d'ici. Il reste un garde. Vraiment, je ne peux pas me faire en aller. Je m'entraînais au tir dessus. Ah non, quelle impiété. Il se rapprochera. Attendez mon signal, d'accord ? Fais très attention. Il y a eu un bruit. Je suis pas dingue. C'est la suite. Sans faire de bruit. Je vais voir. J'arrive. Oh, vous êtes vivant. Par ici, venez. Non, rien. Par ici. Suivez-moi. Mon chéri. Va vite te cacher. Laurentius. Le docteur ? Oui. Il m'a aidé à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais... Et vous alors ? Vous devez venir avec vous. Tu n'as pas besoin de moi, Lucien. Tu n'es pas... J'ai besoin de vous. Dépêche-toi. Suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Par ici. Qu'est-ce qui se passe ? Où est maman ?
Elle va nous rattraper. Cours. Cours le plus vite possible. Mais attention, mon Dieu. Bouge. Le sol bouge, Amicia. Ne t'arrête pas. Ils sont juste derrière nous. Voici. Tout droit. Va tout droit. Mais où va? Maman va jamais nous retrouver. Cours devant toi. Qu'est-ce qu'on fait avec le crio, Amicia, on doit retourner chercher maman. Pas question. Ils ne doivent pas nous attraper. Où est-ce qu'on va? Je ne sais pas. Il y a quelque chose dans la terre, Amicia. Est-ce qu'on va mourir? Non, on doit les semer. Oh non, ils sont partout. Qu'est-ce qu'on fait? Le village doit être tout près. Quelqu'un pourra sans doute nous aider à trouver Laurentius. Hugo ? Hugo ? Maman va me gronder quand elle va voir que je suis tout mouillée. Eh ben, on lui dira pas quand on la verra, d'accord? Allez, viens, on doit d'abord se sécher. Bueno, chavales, pues vamos a dejarlo aquí este primer capítulo de este juego que... La verdad que no está mal, simplemente pues eso, como vuelvo a repetir y me vuelvo a reiterar, de que lo malo que tiene es el idioma. El idioma, que no están las voces traducidas al español y bueno, pues te pierdes bastantes diálogos cuando tienes que ir manejando también a los personajes. No puedes ir leyendo a la misma vez que vas haciendo ciertas cosas, eso es obvio. Eso es lo malo que tiene, que yo lo veo al juego. La verdad, de momento la historia no está nada mal y bueno... Pues nada, ya sabéis que like si os gustó y like si no, suscribiros si no estáis y que nos vemos en el segundo capítulo de este A Plague Tale: Innocence. Hasta entonces, chao máquina, chao.